citoyens, vous voulez que les impôts baissent, qu'il y ait du travail pour tous, que l'inflation soit stoppée. Nous ne pouvons rien faire pour le moment, mais dès que nous le pourrons, nous ferons le double. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des garanties. Il commence à me faire chier. Oh, ça peut plus durer comme ça. Rome est une démocratie et nous avons des droits. Qui es-tu, toi? Eh ben, je suis Benoît Martel, garagiste, président de l'Union des commerçants. Tu m'en diras tant. Alors, c'est toi, le bonhomme? Ah, ouais, un peu, mon neveu. Alors, vas-y, parle. Ah, voilà, avant, on était bien tranquille, mais depuis que César est au pouvoir, c'est le bordel. César enfourche comme un colosse la coupe de l'univers, et nous, pauvres nains, nous trottinons entre ses jambes de géant. Mais, par les dieux, de quelle viande se nourrit César pour devenir si grand? Et les murs de Rome doivent-ils être la ceinture d'Absalom? Alors, je vous le dis, moi, César, y'en a marre!